Bonsoir, bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV et Radio de Vie, bienvenue dans votre émission Il est minuit, il est minuit dans l'horloge des dieux. Vous savez, dans les Écritures, mes amis, euh, minuit est un temps très, très déterminant. Et euh, c'est une période euh, selon, bien sûr, Matthieu 25, à laquelle le Seigneur va euh, venir, mais euh, pas forcément minuit selon les hommes, mais minuit selon l'horloge de Dieu. Et euh, nous avons parlé la dernière fois de l'Afrique, avec euh, et, euh, sa destinée. On a parlé de la destinée prophétique de l'Afrique. Et ce soir, nous allons parler euh, de l'Europe, de la destinée prophétique de l'Europe. Seigneur Adonai, sois béni, sois glorifié. Merci pour tes enfants qui sont mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir. Au nom de Yeshua, nous te prions, Papa, de nous diriger dans tout ce que nous allons faire. Au nom de Yeshua, Amen. Nous sommes dans Actes chapitre 2. On va commencer notre, notre enseignement de ce soir euh, euh, avec ce passage. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il se fit un bruit du ciel comme celui d'un vent qui souffle avec violence. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il leur apparut des langues séparées comme de feu qui se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler des langues étrangères selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait à Jérusalem des Juifs qui y séjournaient, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel alors, il faut comprendre ici que dieu, dans son amour, va convoquer toutes les nations. toutes les nations étaient convoquées ici il y a deux mille ans à jérusalem. pourquoi jérusalem? jérusalem, c'est la ville du grand roi, c'est le fondement de la paix. Et dieu veut, n'est-ce pas, établir son royaume de mille ans sur terre, un royaume de paix, le royaume de paix sur terre avec, une, avec la paix universelle. Et là, le même Dieu qui, dans Genèse 11, va, n'est-ce pas, confondre euh, les hommes en confondant simplement leur langage, et ils ne s'entendaient plus les uns les autres. Ils étaient dans la confusion parce que euh, euh, le Seigneur avait, n'est-ce pas, et, euh, et, euh, engendré, je dirais plutôt, la rébellion de ces hommes, n'est-ce pas, à... à, à, à susciter la colère du Seigneur au point où Dieu va confondre leur langage. Et c'est à Babylone que les langues, n'est-ce pas, euh, sont nées. Et comme ils ne s'entendaient se, ne se, plus, ben, ils se sont simplement divisés. Et là, dans Acte 2, longtemps après, Dieu donne un rendez-vous. Il donne un rendez-vous, je dirais le rendez-vous divin à toutes les nations, comme la parole le dit, les nations qui sont sous le ciel. Bien sûr. L'Europe aussi était présente. Les Européens, bien sûr, et, euh, et euh, les ancêtres de l'Europe. Et qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on y voit ici On nous dit, et euh, au verset euh, euh, 6, « et ce bruit s'étant répandu, une multitude vint ensemble et fut confondue, confondue de ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous surpris et dans l'admiration, se disant les uns aux autres, voici tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens Comment donc chacun de nous les attendons-nous parler la propre langue du pays où nous sommes nés donc On va citer leur pays, Parthe, Mède et et ceux qui habitent la Mésopotamie. Donc il y avait même les Asiatiques, hein, donc euh, les Iraniens, les Irakiens aussi, et on parlera aussi de l'Asie, on parlera aussi des, du, de, des pays arabes, qui étaient aussi présents ce jour-là. Toutes les nations, on nous dit la parole. Toutes les nations. Mes amis, vous voyez, dans le plan de Dieu, il y a aussi les nations. Il y a Israël, mais il y a aussi les nations. Et il a donné rendez-vous aux nations ce jour-là en Israël, à Jérusalem. Et on cite donc les Mèdes, les Alamites, et ceux qui habitent à la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, c'est-à-dire la Turquie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, on en a parlé donc l'Afrique, le territoire de la Libye donc l'Afrique qui est près de Sirène, et ceux qui sont venus de Rome, donc les Européens, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes. Waouh, je salue en même temps mes frères et sœurs euh, euh, originaires euh, du Maghreb, mes frères et sœurs qui sont euh, arabes d'origine et qui aiment le Seigneur. Eh, ben, vous étiez aussi présents ce jour-là. Alléluia, gloire à Dieu. Toutes les nations, Dieu est amour. Dieu pense aux nations. Dieu veut sauver les nations, mes amis. Et on nous dit ici qu'il n'y avait pas seulement euh, la diaspora juive, il y avait également les prosélytes, c'est-à-dire des juifs, des... des, des des croyants, hein, des hommes et des femmes issus des nations qui avaient euh, 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 adhéré à la foi juive, qui avaient accepté de suivre les règles de la Torah. Et ces hommes, ces prosélytes, étaient bien sûr euh, originaires des nations. Ils n'étaient pas juifs d'origine, euh, hébreux, hein, euh, voilà, d'origine. Ils étaient là. Donc les Romains étaient là. Donc cet enseignement. L'enseignement de ce soir, nous allons la, le, le commencer par bien sûr Rome. Pourquoi On a cité Rome, eh parce que à cette époque, au IVe siècle, n'est-ce pas Donc au premier siècle, pardon, à, 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 avant Jésus-Christ, et euh, c'était bien sûr euh, et, euh, Rome qui régnait. Rome. Et on, on dit bien, ils sont venus, hein, des sirènes, tout ça, et des Juifs et des prosélytes qui sont venus de Rome. Voilà. Donc, euh, ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler chacun dans notre langue de merveilles de Dieu Ils étaient tous donc étonnés et ils ne savaient que penser, disant l'un de l'autre, que veut dire ceci Mais les autres se moquaient et disaient, c'est qu'ils sont pleins de vin doux. Et alors, Pierre se présentant, avec les onze, et leva sa voix et leur dit, Hommes juifs et vous tous qui habitez à Jérusalem, apprenez ceci et faites attention à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le, comme vous le pensez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Et il arrivera dans le dernier jour, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Et dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes et ils prophétiseront. Donc, Dieu, au huitième siècle, avait suscité Joël le prophète, lui disant qu'un temps allait venir, précisément dans les derniers jours, son esprit sera, euh, serait répandu sur toute chair, sans exception. Et, euh, et là, c'est ce qui s'est passé également dans Acte 2 ici, donc 2000 ans avant nous, et euh, 2000 ans en arrière, Dieu convoque les nations, il convoque également les Européens donc euh, qui ont reçu et, euh, cet évangile, et ils sont repartis à Rome, ils ont quitté euh, le, euh, le Proche-Orient, et ils sont repartis à Rome, ils sont repartis en Europe avec le feu du réveil, gloire à Dieu. Donc ça commence bien. Ça commence bien. Pourquoi Pourquoi ce feu du réveil Eh bien, précisément parce que Rome, l'Empire romain, était cette quatrième bête dont parle Daniel hein, dans Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, à partir du verset premier. Alors je demanderai à, à Benoît si c'est possible de nous faire la lecture ou c'est possible d'aller carrément sur le site de la BGC, et, euh, si c'est possible. Daniel chapitre 7, verset 1er. Voilà, donc je veux pouvoir faire la lecture. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel y eut un songe et des visions en sa tête étant sur sa couche comme il écrivit le songe et relata relata les principales choses et il relata les principales choses pardon Daniel donc parla et dit je regardais dans ma vision nocturne et voici les quatre vents des cieux se levèrent avec impétuosité sur la grande mer puis quatre grandes bêtes montèrent de la bête différentes les unes des autres quatre grandes Bête. On va, mettre, euh, on va le mettre en mode euh, nuit, si c'est possible. Voilà. Ça va être plus simple pour la lecture. Merci, l'équipe. Voilà. Donc, j'espère que les gens voient chez eux euh, l'image de la BGC parfait. Et Daniel a eu cette songe, ce, ce songe. pardon, Et il nous dit qu'il a vu les quatre vents des cieux. Alors, dans les Écritures hébraïques, les nombres ont hein, des valeurs euh, euh, prophétiques. Hein et un des sens prophétiques. Et le nombre quatre euh, nous parle de tout ce qui est universel, de l'universalité. Et euh, donc, euh, les quatre points cardinaux, par exemple, le, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Et on nous dit qu'il y a quatre empires qui vont sortir de la mer. Alors, la mer ici, c'est euh, bien sûr euh, le monde désorganisé. Lorsque les Écritures parlent du monde désorganisé, ben, elle euh, fait allusion à la mer. Et là, pourquoi les quatre vents Dans les Écritures, les vents, hein, il y en a plusieurs, le vent représente le jugement. Ça veut dire, Dieu va juger et, euh, le monde. Il a jugé ce monde à l'époque, n'est-ce pas? Et suite à ce jugement, quatre bêtes vont émerger de ce chaos. Vous connaissez l'expression ordo-ab chaos Faire émerger l'ordre depuis hein, le chaos, faire sortir l'ordre du chaos. Donc Dieu juge la mer, le monde, et suite à ce jugement, eh bien, quatre bêtes sortent de là. Quatre bêtes. Alors, et euh, on peut voir aussi la mer ici, Israël à l'époque, parce que euh, Israël était devenu complètement désorganisé. Jérusalem était devenue la ville la plus souillée à l'époque. Le temple était souillé selon Ézéchiel chapitre 8. Et Jérusalem, la ville du grand roi, était devenue comme une nation païenne, était devenue comme une mer, une mer complètement, c'est-à-dire une nation désorganisée. Et Dieu va juger. Les quatre vents des cieux tombent sur Jérusalem, la grande mer. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est ce que Daniel a vu. Les quatre vents des cieux frappent Jérusalem. Et vous savez que quand Jérusalem était, mes amis, à son apogée, Babylone était complètement par terre. Et inversement, quand Babylone était à son apogée, Jérusalem était par terre. Et là, Jérusalem était devenue la grande mère. Dieu vient avec impétuosité sur la grande mer, sur Jérusalem, frappe cette nation. On le voit même dans Ézéchiel chapitre 8, le temple était souillé, des anciens adoraient le soleil, des femmes pleuraient Tamuse, n'est-ce pas Et euh, il y avait l'idole d'Astarté l'idole de Baal, tout ça, les statues de Baal d'Astarté, euh, ainsi que leurs hôtels Dans le temple de Jérusalem, le roi Manassé avait carrément euh, pratiqué, euh, euh, il pratiquait même euh, des sacrifices humains au point de sacrifier son propre fils au dieu Moloch. Le temple était souillé. Il y avait des prostituées dans le temple. Donc Jérusalem était devenue une mère, un pays désorganisé. Et Dieu la juge, cette nation, Israël, Dieu la juge. Et suite à ce jugement, eh bien, quatre bêtes sortent de là. Sorte de, ce, de, de du monde, sorte de la terre. eh ben là c'est la première bête nous dit la parole. La première bête était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je la regardais jusqu'à ce que les plumes de ses ailes furent arrachées. Elle fut enlevée de terre et dressée sur ses pieds comme un homme et un cœur d'homme lui fut donné. On sait que c'est Babylone. Là n'est pas notre enseignement. Deuxième empire, le, la Médie et la, la, les, les Perses, hein, la Perse. Et voici, une deuxième bête était semblable à un ours, se, tenant, se tenait sur un côté. Elle avait trois côtes dans la gueule, entre ses dents. Et on lui disait ainsi, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je regardais, et voici une autre bête, semblable à un léopard, qui avait sur son dos quatre ailes d'oiseau. Et cette bête avait quatre têtes, et la domination lui fut donnée. Et la quatrième bête, c'est celle qui nous intéresse ce soir, il est question, bien sûr, de l'Empire romain et, euh, et à l'époque, l'Empire romain, comme vous le savez, est euh, dirigeait pratiquement toute l'Europe, hein, donc la majorité des pays européens, et euh, une grande partie de euh, des pays euh, euh, une grande partie de l'Afrique, hein, l'Afrique nord notamment, et aussi il y avait l'Égypte, il y avait euh, la Tunisie, tout ça, et, et euh, la Libye, et il y avait aussi euh, le Proche Orient tels que euh, Jérusalem, euh, le Liban et, et d'autres pays. Voilà, donc, et là, on nous dit qu'il y a une quatrième bête, et Daniel décrit la quatrième bête. Après cela, au verset euh, et, euh, 7, après cela, je regardais dans mes visions nocturnes, et voici, il y avait une quatrième bête. Et Daniel dit que cette bête était terrible. Épouvantable et extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer, elle mangeait, brisait, et elle foulait à ses pieds ceux qui restaient. Elle était différente de toutes les autres bêtes hein, euh, qui avaient été avant euh, elle. Et elle avait dix cornes. Daniel reçoit cette euh, illumination, hein, cette vision, et on nous dit, au verset 8, il dit « Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortait, hein, sortie du milieu d'elle, et trois de premières furent arrachées par elle. Et voici, il y avait en cette corne des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui proférait de grandes choses. » Et, euh, au, verset, euh, et euh, au verset 9, « Je regardais jusqu'à ce que les trônes soient placés, et l'Ancien des jours s'assit. » son vêtement était blanc comme, de, comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure son trône était des flammes de feu et ses roues un feu ardent un fleuve de feu sortait et se répandait de devant lui mille milliers le servaient et dix mille millions se tenaient en sa présence le jugement se tint et les livres furent ouverts je regardai alors à cause du bruit des paroles arrogantes que proférait la corne et tandis que je regardais la bête fut tuée et son corps fut détruit et livré pour être brûlé au feu. Les autres bêtes furent dépouillées de leur domination, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un temps déterminé. Et on nous dit au verset 15 Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un des assistants et lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Et il me parla et me donna l'interprétation de ces choses en disant Ces quatre grandes bêtes sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Donc ces bêtes sont des rois. Et on nous dit au verset 19, Alors, Daniel dit, alors je désirais savoir la vérité sur la quatrième bête qui était différente de toutes les autres. Elle était extraordinairement terrible. Elle avait des grandes dents de fer. Elle avait des dents de fer et des ongles d'airain. Elle mangeait, brisait et foulait à ses pieds ce qui restait et sur les dix cornes qu'elle avait à la tête, et sur l'autre corne qui était sortie, et devant laquelle trois étaient tombés sur cette corne, qui avait les yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que celle de ses associés. Je regardais comment cette corne faisait la guerre aux saints et l'emportait sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des Jours vint donner droit au saints du Très-Haut, et que le, le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla donc ainsi. La quatrième bête est un quatrième royaume qui sera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Voilà, on a plusieurs informations sur l'Europe. C'est terrible. Donc on va nous montrer un peu l'image de la bête, si c'est possible, hein, en question. Et euh, on l'a sur la BGC. Et je ne sais pas si dans la banque d'images euh, sur l'ordinateur de l'équipe technique vous... Vous pouvez retrouver cette image-là. Voilà. Mes amis, c'est terrible. Et on nous dit que cette bête, hein, ces quatre bêtes, sont quatre euh, euh, rois et en même temps quatre royaumes. Donc, la quatrième bête, bien sûr, c'est l'Europe. L'Europe. Et on nous dit que c'est un royaume qui sera extraordinairement fort. Qui sera terrible, qui va fouler toute la terre. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures. Rappelez-vous bien que le premier passage que nous avons lu, c'est Acte 2. Lors de la Pentecôte, lorsque l'Église est née il y a 2000 ans, on nous dit que toutes les nations qui sont sous le ciel étaient présentes à Jérusalem, notamment l'Europe. Rome était là. Et l'Empire romain a commencé à, 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 a été mise en place entre euh, à partir du 27 hein, donc de l'an 27 avant Jésus-Christ là nous sommes bien sûr euh, et, euh, à l'époque de bien, bien Jules César mais après plutôt Jules César et parce que lui il n'était pas encore il était le président mais il était pas encore euh, vraiment euh, l'empereur le, qui, qui qui comme les autres mais quand même il était le socle la base de cet empire donc à partir du 27, hein, de 27 avant Jésus-Christ, l'Empire romain a commencé à dominer. Donc ça, cet Empire a commencé à exister de 27 avant Jésus-Christ au euh, 5e siècle. Donc de 27 à 476 après Jésus-Christ. Ça, ça a duré quand même plusieurs, plusieurs siècles, et, hein, plus de 4 siècles au moins. Donc là, vous avez l'image de la bête en question. Et euh, c'est la quatrième bête. C'est l'Europe. Et euh, ça veut dire que les Écritures nous enseignent que la, la bête en question, qui est d'abord un roi, et on sait tous que c'est l'Antichrist, et on nous dit que cette bête-là, ce roi, va régner sur toute la terre. Donc le roi, l'Antichrist, sortira de l'Europe, sortira de l'Europe, et non des États-Unis. Ça c'est une information que nous avons reçue. Et euh, et il sera bien sûr euh, 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 juif d'origine. Parce que dans Jean 5, 43, Yeshua nous a dit qu'il est venu au nom de son père, les juifs ne l'ont pas reçu, et quelqu'un d'autre viendra à son propre nom et il sera reçu. En tout cas, ce sera un juif, en même temps un Européen. Donc euh, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de juifs aussi euh, en Europe et aussi dans les, dans les autres nations. Et euh, donc là, on nous parle de, 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 de cette bête qui est terrible. Et dans Apocalypse 13, on nous dit que toute la terre va l'adorer. Là, vous avez l'image des gens qui sont en train d'adorer cette bête. Et selon Apocalypse 13, on nous dit que cette bête sortira de la mer également. Donc là, vous avez l'image de la mer. Vous Voyez, ça, ça, ça c'est la même bête dont il est question dans Apocalypse chapitre dans Daniel chapitre 7. Et dans Apocalypse 13, on nous dit. Et je vis monter de la mer une bête qui avait sept têtes et dix cornes, et sur cette corne dix diadèmes, et sur cette tête des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard. Le léopard, c'est la Grèce. Donc la Grèce est un pays européen. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. L'ours, c'est les Mèdes et les Perses. Alors les Mèdes et les Perses, aujourd'hui, ce sont les Iraniens. Donc les Iraniens, selon la prophétie biblique, auront un, jeu, un rôle majeur à jouer et euh, en Europe. Est-ce qu'on peut trouver des informations concernant euh, le retour de l'Iran sur la scène internationale, notamment euh, Air France, comme vous le savez, a réouvert euh, ses, 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 ses lignes hein, sur euh, 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 l'Iran. Et, euh, et aujourd'hui, euh, les journalistes, tout le monde le, le dit pratiquement que l'Iran est un grand grand marché, un très grand marché. Et euh, voilà. Donc, les nations vont, euh, bien sûr, euh, faire allégeance, notamment beaucoup de nations européennes vont faire allégeance aux dirigeants iraniens. Et vous savez que l'Iran est la seule nation, pratiquement, hein, la seule nation théocratique. Hein, euh, C'est-à-dire, euh, euh, la constitution iran iranienne est basée sur le Coran. Voilà. Ce sont les ayatollahs, euh, euh, pas les ayatollahs, je crois que c'est un mot là, euh, on va nous trouver ce, ce terme-là que j'ai oublié, Mais, hein, qui, sont, euh, qui sont des guides, hein. donc euh, il y a un guide là-bas, là, on va trouver ce, 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 ce nom aussi, qui, est, euh, qui a plus de pouvoir même que le président. Donc, et euh, nous apprenons, selon la prophétie biblique, mes frères et sœurs, vous qui êtes connectés ce soir, ce ne pas les ayatollahs, je crois, je crois pas, ça c'est avec l'Église catholique. Et euh, donc les iraniens auront un, ont un rôle majeur à jouer dans l'organisation du gouvernement mondial qui aura pour base l'Europe. Voilà, qui euh, c'est déjà le cas hein, présentement. Donc si on nous trouve un peu les informations, ça serait bien. Les ayatollahs. Hein c'est ça. Merci. Les ayatollahs, c'est ça. Donc j'avais raison. Voilà, donc ce sont des guides. Hein, donc on va trouver des informations qu'on va nous balancer un peu, s'il vous plaît. Donc, on a vu dans Apocalypse 13 que la, la bête en question était semblable à un léopard, donc c'est la Grèce. Et ensuite, selon Daniel 7, les Mèdes et les Perses étaient représentés par l'ours. Et l'ours, vous avez vu la force de l'ours. Hein, hein, cet ours-là a été euh, décrit de manière terrible hein, dans Apocalypse dans Daniel 7, pardon. Et, euh, à partir du verset... Euh, euh, cinq. Et voici une deuxième bête était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Elle avait trois côtes dans la gueule entre ses dents. Et on lui disait, ainsi lève-toi, mange beaucoup de chair. Donc l'Iran hein, va manger beaucoup, beaucoup de chair, énormément de chair. Voilà. Et euh, donc là, c'est les Mèdes et les Perses. Et les Iraniens sont les Perses. Et ça, pour votre information. Et les Irakiens sont les euh, Babyloniens. Voilà. Et là, euh, voilà, nous avons les informations hein, ici. Hein, L'Iran de retour sur la scène internationale. Les États-Unis saluent une avancée majeure dans la conclusion d'un accord historique sur le nucléaire. J'ai eu un songe pour votre information où l'on me disait que l'Iran euh, a déjà la bombe nucléaire. C'est le songe que j'ai reçu. Voilà. Maintenant, et euh, et euh, on, va, on voit que l'Iran va de plus en plus prendre de l'ampleur et la prophétie hein, biblique euh, s'accomplit sous nos yeux, mes amis, Yeshua ne plus tellement loin. C'est pour cela que nous devons nous préparer à l'enlèvement de l'Église. Et euh, on va descendre un peu. Euh, le président iranien a été accueilli a été accueilli tel un vainqueur au Parlement ce dimanche 17 janvier au matin. C'est un jour historique. Il a obtenu la levée des sanctions qui pèsent sur le pays. En dehors d'une petite partie des ultra-conservateurs, tout le monde salue l'entrée en vigueur de l'accord sur le nucléaire signé avec les grandes puissances. Voilà, donc euh, Téhéran est de nouveau, hein, mes amis... Euh euh, euh, fréquentable. Donc vous voyez, ça c'est l'ours, hein, l'Iran. Vous voyez la prophétie, comment elle marche, mes amis, là? Voilà. Et qu'est-ce qu'on dit? Et euh, à Téhéran, les journaux saluent, les journaux saluent la sortie de l'isolement du pays. Cet accord va notamment permettre aux Iraniens d'exporter ou d'importer plus facilement des produits. Tous les secteurs de l'économie ont besoin d'investissement dans ce marché de 80 millions d'habitants. L'annonce de la levée des sanctions a été faite hier à Vienne après deux ans et demi d'intenses négociations, Européens et Américains ont obtenu des Iraniens qu'ils ne se dotent pas de l'arme atomique. Premier signe de dégel hier entre les États-Unis et l'Iran qui ont procédé à un échange de prisonniers. Voilà donc euh, et euh, là c'est l'ours qui revient. Sur la scène internationale. Or, la prophétie biblique nous a nous a annoncé, notamment Daniel 7 et Apocalypse 13, que l'ours va se tenir sur un côté. Donc, ça c'est le le c'est le réveil, c'est le retour justement de l'ours sur la scène internationale. Pourquoi Parce que la prophétie doit s'accomplir, mes amis. Voilà. Et ensuite, dans Apocalypse 13, on nous parle de d'une autre bête, donc la troisième, parce qu'il y en a quatre, hein, vous savez. Apocalypse 13. Et euh, qu'est-ce que Jean nous dit On nous dit, et euh, donc, la bête était simplement à un léopard, d'abord un lion, donc c'est Babylone, le léopard c'est euh, la Grèce, et ses pieds étaient comme ceux d'un ours, ses pieds, les pieds, les pieds, c'est très, très significatif, mes amis, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme la gueule d'un lion. Voilà, donc il y a la, le léopard, il y a l'ours, et il y a... Le lion, donc voyez, et pourquoi les pieds? Pourquoi l'Iran va avoir les pieds euh, de l'Europe, tel un véhicule, hein? Tel un véhicule. Donc ça veut dire que le véhicule, les, les, les roues, les roues de ce véhicule, l'Europe est comme un véhicule, et ces roues, ça va être l'Iran, selon les Écritures. Parce que les pieds de la bête, les pieds de la bête, c'est l'Iran. Et effectivement, l'Iran a beaucoup, beaucoup de pétrole, beaucoup de pétrole, beaucoup de, 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 de richesses aussi hein, euh, naturelles, et l'Europe en a besoin, et ça va être hein, euh, euh, les roues de l'Europe, l'Iran. Mes amis, et comme c'est une théocratie hein, musulmane, bah attendez vous aussi à ce que euh, euh, l'islam prenne de l'ampleur en Europe, parce que c'est euh, euh, l'iran selon les écritures bibliques euh, qui constituent les pieds de la quatrième bête c'est à dire l'europe et globalement c'est euh, les pieds du n'est- ce pas euh, gouvernement mondial euh, des nations unies et c'est fort mes amis c'est fort c'est fort donc les pieds c'est ce qui nous permet de nous tenir debout de marcher voyez et les pieds Peuvent aussi représenter, selon les Écritures, le zèle. Le zèle. Donc euh, l'Iran va être la force, mes amis, euh, euh, motrice. Hein, donc comme des roues motrices de l'Europe. Donc vous comprenez pourquoi euh, les nations européennes euh, vont faire de plus en plus allégeance à cette nation. On va trouver d'autres informations concernant l'arrivée du président iranien en Europe. Comme la, euh, voilà. Et, euh, mes amis, ouvrez grandement les oreilles parce que le Seigneur est en train de me conduire autrement et euh, on a besoin de comprendre la prophétie biblique, Vous voyez, la destinée prophétique de l'Europe. Il y a une destinée euh, euh, que Dieu a, n'est-ce pas, tracée pour l'Europe et on va en parler. Il y a aussi une destinée que l'ennemi a mise en place. La destinée de l'ennemi, c'est quoi C'est que l'Europe soit euh, le moteur de la quatrième bête, soit euh, comment dire, ce continent qui va, bien sûr gouverner le monde entier. Et c'est déjà le cas hein? avec euh, euh, les institutions européennes et euh, tout ça. et, et C'est l'Europe hein, qui, qui gère le monde pour votre information. Parce que quand on parle des États-Unis, les États-Unis, c'est quoi Avant, c'était les peaux rouges, les peaux rouges qui, qui étaient là-bas, hein? les Indiens et ce sont les Européens qui sont arrivés aux États-Unis, qui ont colonisé les États-Unis. Donc vous voyez bien que quand on parle de l'Europe, la quatrième bête, on ne peut pas dissocier les États-Unis de l'Europe. C'est la même chose. Dans la prophétie biblique, c'est la même chose, mes amis. Voilà. Quand on parle de la quatrième bête, donc automatiquement, les États-Unis sont inclus dans l'Europe. Le, dans parce que, comme je me répète encore, ce sont les Irlandais, ce sont les Anglais, ce sont les Français qui ont colonisé et euh, euh, colonisé les États-Unis. Voilà. Donc, euh, et les États-Unis, le Canada, euh, euh, tout ça. Donc, vous voyez donc c'est la même chose. D'ailleurs, la reine d'Angleterre, comme vous le savez certainement, est encore une autorité hein, respectée euh, euh, au Canada, par exemple. Voilà. Voilà. Donc euh, euh, l'avionneur européen va livrer 118 avions de ligne pour renouveler une flotte iranienne à bout de souffle. Montant du contrat 25 milliards de dollars. Airbus attendait avec impatience cette méga commande. C'est fait. Voilà. L'Iran va acheter 118 avions de ligne à l'avionneur européen, dont 12 gros porteurs A380. 12. Vous vous rendez compte? D'un seul coup. Douze. Même Air France n'a pas 12 A380. Donc, vous voyez, pour vous montrer que c'est un pays qui est très riche, qui a beaucoup de moyens, beaucoup de richesses. Et euh, les défenseurs de droits de l'homme qui s'étaient mobilisés pour demander à François Hollande de ne pas sacrifier la morale au big business en euh, voilà, en vendant des Airbus aux pays qui exécutent le plus de condamnés au monde par habitant n'ont pas pesé bien lourd face au, monta au montant du contrat 25 milliards de dollars ça veut dire 22,8 milliards d'euros voilà donc vous voyez mes amis c'est c'est ça donc, et, euh, et là on nous dit, le protocole d'accord a été signé avec enthousiasme par les dirigeants d'Airbus ce jeudi à l'Elysée, à l'occasion de la visite du président iranien Hassan Rouhani à Paris. Dans le détail, la commande iranienne se repartit en 73 gros porteurs et 45 monocouloirs, longs et moyens courriers. Voilà. Donc la liste de courses de la République islamique comprend 22, 21 appareils de la famille A320. Voilà. Donc voilà. Donc en gros c'est une grosse grosse commande. Donc l'Iran est de nouveau debout. L'ours est de nouveau debout. Donc les écritures ont toujours raison. Dieu a toujours raison. Et on nous dit que cette bête justement va recevoir donc l'Europe hein, ainsi que l'Iran parce que ça va être un, un mélange. Vous voyez un mélange de tout mélange de, euh, de, 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 de euh, voilà tout ce qui est religion mélange ça va être un syncrétisme qui se met en place la religion mondialiste la religion écumeniste tout ça là et euh, un mélange euh, des biens mélange de, de euh, tout ce qui est religieux tout ce qui est euh, euh, matériel, tout ce qui est culture, ça va être un, un mélange qui va donner naissance à, à un monstre terrible, donc ce, ce, cette quatrième bête justement. Et on nous dit que toute la terre va être remplie, sera remplie d'admiration et va suivre la bête. Toute la terre va suivre la bête. Waouh, mes amis, toute la terre, on nous dit, va suivre la bête. Toute la terre, toute la terre. Toute la terre suivra la bête. Ça ne vous dit rien, mes amis Voilà. Donc, euh, et euh, et c'est exactement ce qui va se passer, là, ce qui se passe. Et euh, toute la Terre va suivre la bête, c'est-à-dire l'Europe va être convoitée de plus en plus. Et c'est le cas. Regardez avec les migrants. Toute la Terre converge où Vers l'Europe. Toute la Terre. Ça vient de partout. De partout. De partout, toute la terre. Les gens quittent l'Asie pour se retrouver en Europe. Les gens quittent l'Afrique pour se retrouver en Europe. Les gens quittent euh, plusieurs nations pour se retrouver en Europe. Tout ça et euh, bien sûr aussi les États-Unis, hein, parce que je vous dis que les États-Unis euh, c'est l'Europe, hein, même si il euh, euh, y a l'Atlantique tout ça là, mais en fait c'est ce sont les Européens qui sont qui ont colonisé cette euh, ce continent. Voilà, même euh, toute l'Amérique latine, hein, pratiquement, le Brésil, c'est le, 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 Portu, le, le Portugal, les autres nations, euh, ce sont euh, les, les Espagnols. Donc, voyez bien que l'Amérique latine, les États-Unis, le Canada, ce sont les Européens. Si vous allez au Chili, vous allez voir, c'est plus les, les Européens qui sont euh, les Chiliens. La plupart sont des descendants des Européens. Il y a aussi des descendants d'esclaves. Vous allez au Brésil, c'est la, la même chose. Vous allez euh, au, au Mexique, euh, pareil. Vous allez trouver aussi des, des descendants des, des, des colons. Donc vous voyez bien que tout ça là, c'est l'Europe, hein? donc qui a la même mise, c'est le gouvernement mondial. Donc quand on parle de l'Europe, quand on parle de l'Europe aujourd'hui, il ne faut pas se, se limiter euh, aux limites euh, géographiques hein? par, rapport à, par rapport à la carte que nous avons. Il faut gommer ces, ces limites là pour voir euh, comme Dieu voit, c'est-à-dire l'Europe devient une, mais, mais c'est une, une institution carrément mondiale. C'est le gouvernement mondial. Voilà. Et, euh, et euh, donc, euh, même en Afrique, hein, donc aujourd'hui, euh, c'est l'Europe qui gère le monde, c'est l'Europe qui dirige le monde. Voilà. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, mes amis, euh, le G7. <laughs> c'est l'Europe qui gère. C'est l'Europe. Donc, euh, et euh, on nous dit que la bête en question avait, bien sûr, euh, avait sept euh, euh, têtes. Et dix cornes. Pourquoi sept? Sept c'est la perfection. Et la tête, mes amis, dans les écritures, c'est l'autorité, c'est l'image de l'autorité. Et ça veut dire que cette, ce continent, ce royaume, le quatrième royaume, la quatrième bête, aura une grande autorité. D'ailleurs, la parole dit que c'est le dragon qui lui a donné cette autorité-là, une grande autorité. Et euh, et toute la terre va suivre la bête, toute la terre va adorer la bête. Et comme je vous disais, l'empire romain euh, historique a commencé à exister en l'an 27 avant Jésus-Christ. Et cet empire va s'écrouler dans sa partie occidentale le 4 septembre 476. Le 4 septembre 476, c'est-à-dire au 5e siècle. Et dans sa partie orientale, cet empire va s'écrouler en 1453. Dans sa partie occidentale. Mais on nous dit que cette bête va être restaurée. Et effectivement, elle a été restaurée, mes amis, avec le marché européen. Cette bête a été restaurée. Et ce sont les Européens qui dirigent le monde. Ça, c'est indéniable. Vous voyez? Donc, euh, et euh, maintenant, mes amis, euh, qu'est-ce qui se passe? La bête a été effectivement restaurée. Mais lorsque euh, là c'est la destinée prophétique de l'Europe, euh, selon bien sûr la vision de Lucifer. Et ça va se réaliser. Mais il y a aussi une autre destinée, parce que, rappelez-vous bien que dans Actes chapitre 2, quand l'Église est née, les Européens étaient là, les Romains étaient là. Donc Dieu a beaucoup d'enfants parmi les Européens. Comme il a beaucoup d'enfants parmi les Africains, comme il y en a beaucoup chez les, chez les Asiatiques, chez les, les frères et sœurs des îles. Et Dieu avait prévu aussi, a prévu aussi une destinée pour ces enfants originaires de l'Europe. Gloire à Dieu, pour nos frères et sœurs qui cherchent le Seigneur, qui aiment Jésus et, 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 et qui l'adorent en esprit en vérité. Et leurs ancêtres étaient ce jour là à Jérusalem pour recevoir le feu du réveil. Et vous savez que lorsque l'Empire romain va s'écrouler dans sa partie orientale en 1453, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cela va provoquer hein, un grand, un grand euh, réveil. Et euh, merci Seigneur pour, pour ta parole. Nous sommes toujours dans Acte chapitre 2. Hein? Donc là, on nous dit que les Romains étaient là ce jour-là. Ils ont reçu euh, l'Évangile. Ils sont repartis à Rome avec le feu du réveil. Mais quand l'Empire romain l'Empire romain va s'écrouler en, en 1453, là, je vous disais, il va y avoir en Occident, donc en Europe, un engouement pour la lecture des saintes Écritures. Un engouement qui va se généraliser. Et beaucoup de gens vont commencer à faire des recherches, à, euh, à vouloir lire les Saintes Écritures dans les textes, n'est-ce pas, euh, originaux. Notamment le grec, l'hébreu. Et Erasme de Rotterdam, un homme de Dieu, va aussi euh, euh, commencer euh, à lire les Écritures. Et il va traduire, euh, pour la première fois, euh, toute la Bible, mes amis... Euh, et euh, toute la, la, la Bible, tout ça, et euh, il va donner au monde ce qu'on appelle le texte reçu, n'est-ce pas Et, euh, et là, l'évangile va se répandre de plus en plus. Mais avant, euh, cet homme, il y a eu notamment en France, pour votre information, vous qui nous suivez, savez-vous que le monument le plus ancien de la langue française est un dictionnaire biblique qui date du 8 siècle donc, vous voyez que Dieu, en France aussi, avait, parce que c'est l'Europe, Dieu, en France, comme en Europe, comme, comme en Italie, comme en Espagne, Dieu avait préparé ses enfants. Je vous dis que le, le monument le plus ancien de la langue française est un dictionnaire biblique, mes amis. Et, Dieu va préparer les francs, les français, plus tard, à recevoir l'évangile, et nous sommes au, 12e siècle avec ce monsieur du nom de Valdo, Pierre Valdo, qui était un marchand très riche français euh, d'origine, qui va découvrir les Saintes Écritures, il va vendre tous ses biens pour, n'est-ce pas, traduire quelques portions des Saintes Écritures, qui va diffuser partout, il va être euh, parmi les précurseurs du mouvement de la réforme, de la réforme protestante au sein même de l'Empire romain, de cette bête que Satan contrôle pour euh, diriger le monde, Dieu préparait aussi ses messagers, ses messagères. Et, euh, et c'est terrible, mes amis, comment le Seigneur euh, aime euh, aime les, ses enfants. Et regardez par exemple, on va lire quelques passages. Regardez dans Romains, dans, dans Romains Romain, chapitre chapitre 15. Si l'équipe peut nous mettre ça sur l'écran là. Romains chapitre 15, on va lire le verset, juste le verset 28. On, à partir du verset 25 pour la bonne compréhension. Mais maintenant, je vais à Jérusalem pour servir les saints. Ça, c'est Paul qui parle. Car il a semblé bon à ceux de Macédoine et d'Achaïe de s'imposer une contribution pour les pauvres parmi les saints de Jérusalem. Voilà. Donc... Euh, et ils l'ont bien voulu, dis-je, et il est leur devait. Car si les gentils ont été participants de leur bien spirituel, ils doivent aussi leur faire part des choses charnelles. Après donc que j'aurai achevé cela, et que je leur aurai consigné ce fruit, je partirai pour l'Espagne, en passant par vos quartiers. Mes amis, vous vous rendez compte que Paul, l'apôtre, est passé par l'Espagne. Donc, Paul est passé par l'Europe. Vous vous rendez compte Ces pieds, ce messager, ont foulé l'Europe pour vous montrer, mes amis, que l'Europe a, 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 a reçu l'évangile véritable. Comme l'Afrique l'a reçu. L'Europe a reçu l'évangile. Et il y a même... Comme vous le savez, des épîtres qui portent le nom des villes européennes, c'est une grâce pour les Européens. C'est aussi une grâce, mes amis, que Dieu soit béni. Alléluia. Nous avons l'épître de Paul aux Romains. On peut dire aussi l'épître de Paul aux Européens. Il n'y a pas qu'une seule épître qui porte le nom d'un pays européen. Il y a aussi d'autres épîtres, deux autres épîtres. Par exemple, l'épître de Paul aux Corinthiens, qui, n'est-ce pas, Corinthe est une ville grecque pour nos frères et sœurs européens, que ce soit qui nous écoutent, sachez que Dieu a aussi une destinée, l'Europe a une destinée prophétique. L'Europe est dans le plan de Dieu, mes amis. Il n'y a pas que Israël, oui, nous aimons nos frères et sœurs euh, israélites, nous aimons cette nation aussi, parce que c'est grâce à, à, au Seigneur qui est passé par ce peuple que nous avons l'évangile. On bénit Jérusalem, oui. Mais Dieu n'aime pas que Jérusalem. Dieu aime les nations. Dieu aime tout le monde. Et Dieu aime aussi les Européens. Alors quand j'entends des gens qui disent que les Européens sont des vrais incrédules, ils sont incrédules, tout ça, je dis, mais, mais vous, vous ne comprenez rien, mes amis, là. Ils ne sont pas plus incrédules que les Africains. Pas bah, du tout. Parce que certains, ils vont prier soi-disant, mais ils ne, ne vivent pas ce qu'ils prêchent, ce qu'ils qu font, ce qu'ils disent. Alors que d'autres, il y en a qui ne croient certainement pas comme les autres, mais ils ont une vie certainement qui peut aussi, euh, qui 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 qui, qui, qui paraît hein? une vie qui honore au, au aussi le Seigneur et euh, le fait de s'occuper des pauvres, le fait d'aider les pauvres, son prochain. Ça c'est des principes bibliques. Hein? Voilà, s'occuper des pauvres comme beaucoup d'Européens le font avec des associations qui aident aussi les pauvres. Contrairement à beaucoup de nos frères africains en Afrique qui vont souvent dépouiller leurs frères. Je ne dis pas que et, et, tous le font, mais euh, mes amis, euh, combien d'associations chrétiennes que vous connaissez en Afrique qui viennent en aide aux pauvres, comme en Europe, ici nous avons le Resto du Cœur, un païen qui est mis en place pour aider son prochain. Combien de Restos du Cœur que vous avez en Afrique Donc euh, ça c'est juste une parenthèse pour montrer que oui, en Afrique beaucoup vont prier, prier, matin, y a tous les 100 mètres des églises, mais euh, quant à, à aider son prochain, mes amis... Euh, Très peu le font. Et alors, d'ailleurs, ces bishops, soi-disant, là, mes amis, euh, détournent de l'argent du Seigneur pour autre chose plutôt que d'aider leurs frères. C'est pour nous montrer, mes amis, que souvent, on va se moquer des autres en se disant, ils sont pas, ils sont pas croyants, ils sont incrédules, mais pourtant, ils pratiquent certaines choses qui sont dans les Écritures. Aider son prochain, comme soi-même. Donner à manger à quelqu'un. Et c'est n'est pas ça, bien sûr, qui sauve, parce que c'est la foi en Christ qui, qui, qui sauve. Ce ne sont pas les œuvres, mais je voudrais quand même que nous comprenions euh, mes amis, que nous avons plutôt intérêt à, à demander une, la grâce du Seigneur. Et euh, voilà, donc là, on voit qu'il y a une épître, n'est-ce pas, pour cette Europe qui a la destinée prophétique de Dieu, qui est destinée par le Seigneur pour le salut, qui doit, mes amis, évangéliser. Donc, cette Europe a reçu l'évangile. Paul parle de son passage, de passage par l'Espagne. Et on voit l'épître de Paul aux Romains. Donc, ce sont les Européens, mes amis. On voit l'épître de Paul, deux épîtres de Paul. Aux, aux, aux Corinthiens, ce sont des Grecs, ce sont les Européens. Et Paul est passé aussi par Athènes, Acte 17, euh, euh, le dit, nous sommes dans Acte, chapitre 17, pour encourager mes frères et sœurs européens de souche qui aiment le Seigneur, qui cherchent le Seigneur, et qui se posent des questions sur l'Europe. Pourquoi l'Europe est dans cet état, pourquoi il y a tous ces, euh, toutes, ces, toutes ces personnes qui ne veulent plus du Seigneur, tout ça. Ben, Laissez-moi vous dire qu'il y a un, un plan de Dieu, le plan de Dieu pour l'Europe, pour les Européens. Nous sommes dans acte 17 et euh, et, euh, et Paul euh, nous dit euh, à partir du verset euh, euh, 15 ceux qui avaient pris la charge de mettre Paul en sûreté le conduisirent jusqu'à Athènes. Vous voyez jusqu'à Athènes. Athènes c'est bien sûr en Grèce donc en Europe. Paul arrive à Athènes. Paul prêche l'Évangile hein? et euh, à Athènes et euh, il est arrivé même à Thessalonique. Thessalonique, c'est où, mes amis C'est en, en Grèce. C'est en Grèce. Donc il y a eu, il y a combien d'épîtres de Paul adressées aux Européens, mes amis Aidez-moi un peu là. Il y a Romain. Hein? Il y a un Corinthien, deux, deux Corinthiens, trois épîtres, et il y a l'épître de Paul aux Thessaloniciens, hein? qui étaient des Macédoniens, hein? Thessaloniciens. Et, euh, et quatre voyez Et il y avait aussi les Philippi Philippiens, non Philippiens. Donc, ça fait quand même... Mais c'est une grâce que l'Europe a reçue, mes amis, là. Vous vous rendez compte Attendez, attendez. Aidez-moi à compter le nombre d'épîtres de Paul adressés aux Européens. Pour que mes frères et sœurs Européens se réveillent encore davantage parce que Dieu a visé l'Europe. Combien d'épîtres, mes amis Hein Donc on va compter. Romains 1 1 Un Corinthiens 2 2 Corinthiens 3 Philippiens 4 1 Thessaloniciens 5 2 Thessaloniciens 6 Benoît Est-ce que tu te rends compte que Dieu a utilisé Paul pour envoyer six épîtres aux européens mais c'est énorme. C'est énorme. Pourquoi six épîtres? Vous avez bien compté un six, hein? Hein? Oui, vous pouvez appeler parce que les gens commencent à appeler. Vous pouvez appeler parce que ça va encourager les Européens. Ça va encourager mes frères et sœurs, mes amis. Dieu va toucher beaucoup d'Européens. On le croit, même si l'antichrist, même si le gouvernement mondial est déjà là, mais nous croyons, mes amis, qu'il y a un reste. Alléluia, gloire à Dieu. Hein? Combien d'épîtres en tout Parce qu'il en a écrit 13 au moins hum? Donc on va nous les montrer là Voilà Donc Les Galates Il y en a même qui disent c'était une des régions de l'Empire euh, romain hein? Et les Galates aussi C'est vers euh, la Galatie C'était aussi vers euh, euh, la, Vers l'Asie mineure je crois Voilà donc, vous vous rendez compte, mes amis Donc, un Thessaloniciens, les Européens. Deux Thessaloniciens, les Européens. Hein Sept Et Galatie aussi, hein Non, Galatie, c'est... La Galatie, c'est plutôt vers... Euh, mais je crois qu'une partie, hein, si je ne me trompe pas. Donc, on va nous montrer un peu la carte, là, quand même, parce que je crois que beaucoup de nos frères et sœurs européens, ce soir, sont encouragés. Hein Ephésiens, les effets, c'était l'Asie mineure, la Turquie. C'est les Turcs. Bon, il y a une partie de la Turquie qui est en Europe. Hein hein il y a une partie de la Turquie, effectivement. Une partie hein, qui se trouve euh, euh, en Europe, une partie en Asie. Hein voilà. David, on va nous compter les épîtres très rapidement, parce que les frères et sœurs européens ou africains ou des îles, vous pouvez appeler si vous le souhaitez. Pour bénir le Seigneur, parce que voilà, Satan n'a pas son dernier mot en Europe. Jamais. Notre père a pensé aux Européens, et s'il nous a envoyés en Europe aussi, mes amis, c'est parce que nous sommes des missionnaires. Donc il y a une raison pour laquelle, mes amis, euh, nous sommes ici, parce que Dieu a un reste. Voilà. Hein? Il y a le téléphone qui sonne. Voilà, donc on a au moins sept épîtres. La perfection. Dieu s'est dit l'antichrist va sortir de l'Europe, d'accord. Satan choisit l'Europe pour gouverner la terre, d'accord, c'est la, la quatrième bête, d'accord. Mais j'ai aussi un plan. Là où le péché abonde, nous dit la Bible, la grâce a surabondé. Gloire à Dieu. Et Dieu dit envoyez-moi cette épître là-bas. Hein Au moins cette épître, la perfection. Parce que Dieu va faire des œuvres avec les européens. Dieu va toucher les nations en se servant de l'Europe. Satan se dit moi je vais utiliser l'Europe pour détruire la terre, pour faire n'importe quoi. Dieu dit je vais utiliser l'Europe pour amener l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer, mes amis, pour votre information Eh bien, la première Bible va être imprimée où, à votre avis En Europe. En Europe. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Il y a eu, Satan est venu, mes amis, en Europe au 18e siècle, entre 1715. Et 1789, Satan a suscité un mouvement appelé le siècle de lumière, qui était un mouvement intellectuel lancé en Europe au XVIIIe siècle, dont le but était de dépasser l'obscurantisme et de promouvoir la connaissance. La connaissance. Vous vous rendez compte Mais une connaissance qui n'émanait pas de l'être absolu de Dieu mais une connaissance qui émanait de la connaissance, hein, de, 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 de une lumière pardon, une lumière qui ne venait pas de Dieu, mais une lumière qui selon eux venait de la connaissance, la gnose. Et Dieu dit quoi Eh ben celui qui veut se glorifier doit se glorifier d'avoir de la connaissance, de la de l'intelligence et de me connaître. Donc le cercle de lumière vient et il y a beaucoup de philosophes, de grands hommes, tout ça qui sont venus en Europe tout ça. Et Dieu n'a pas dit son dernier mot mes amis, pas du tout. Et c'est au XVIIIe siècle aussi qu'il va y avoir des plus des grands mouvements. D'abord au XVIe siècle, ça a commencé au XIIe siècle avec les Pierre Pierre Valdo, avec les, euh, avec des gens comme euh, Wycliffe au XIIIe siècle. Hein? Voilà Pierre Valdo en France euh, 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 au XIIe siècle. Et il y a eu Jean Huse en Bohème, en Tchèque, en hein, Tchécoslovaquie. Il y a Wycliffe en Angleterre au XIVe siècle. Tous ces hommes, Dieu les a suscités, les Européens, pour, mes amis, préparer la réforme protestante. Parce que Dieu avait un plan. Parce que Dieu a un plan pour les Européens, mes amis. Alléluia, gloire à Dieu. Et euh, donc, je vous disais que la chute de l'Empire romain dans sa partie orientale, pardon, en 1453, euh, a provoqué, n'est-ce pas, l'arrivée hein, en Occident. A provoqué l'arrivée en Occident des documents anciens, dont des manuscrits grecs et hébreux de la Bible. Et cela a provoqué la renaissance en Europe. Et Erasme de Rotterdam les traduit. Et Gutenberg, Gutenberg invente l'imprimerie en 1450. Et la Bible est largement diffusée. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Dieu se sert de l'Europe pour imprimer, mes amis, des milliers de Bibles qui vont être diffusées massivement. Massivement. Et... Euh, et, et, et là, ben, mes amis, là, le Seigneur va pff, se servir de l'Europe pour diffuser massivement la parole bien comme il faut. Et euh, euh, voilà, nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir, allô C'est Juliette en Belgique. C'est une question, en fait, euh, que j'aimerais poser. Donc, c'est un sujet que vous avez, enfin, par lequel vous avez commencé l'émission. Euh, en fait, j'aimerais vous poser une question par rapport à, à la saine doctrine. En ce qui concerne, quand est-ce que les disciples ont reçu le Saint-Esprit ben, C'est l'acte 2. Euh, oui, oui, il y a Acte 2, il y a l'effusion du Saint-Esprit. Mais je vois aussi dans Jean, euh, Jean 20, au verset 22, euh, on dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Selon la doctrine, hein, si par exemple quelqu'un qui ne connaît pas Dieu nous pose la question, quand est-ce que les, les disciples ont reçu le Saint-Esprit Alors, c'est acte 2 ou c'est... Ce bah, c'est pas, pas vraiment l'enseignement de ce soir. C'est pas l'enseignement de ce soir, mais bon, je vais quand même répondre. L'équipe technique va nous aider pour les appels, pour que les questions soient vraiment en relation avec... Euh, et en rapport avec l'enseignement de ce soir. Et euh, ils ont reçu l'Esprit dans acte 2. Le Seigneur a dit dans acte... Dans Jean 20, recevez l'Esprit. Ça, c'était juste une prévision. D'accord. Voilà, c'était juste une prophétie. Ça va. Voilà à l'Europe, au fait, est-ce que l'Europe ce, ce n'est pas aussi la dame qu'on présente, la dame assise sur la baie, c'est ce pas l'Europe aussi Ça c'est là Il y a deux destinées hein, pour l'Europe. La, la première de, euh, destinée c'est ce que Dieu hein, a prévu, c'est-à-dire au travail de ce continent Dieu a prévu que l'évangile soit bien diffusé. Et euh, avec la technologie, tout ça que le Seigneur leur a donné avec l'imprimerie notamment, comme on l'a vu euh, au... Au 15e siècle, hein, avec euh, Gutenberg, qui va être le premier Européen à inventer, le premier homme à avoir inventé l'imprimerie. Donc Dieu, dans cette destinée de l'Europe là, a prévu ce, euh, ce, un plan pour que les Européens diffusent massivement l'Évangile dans les nations. Et il y a deuxième, la deuxième destinée de l'Europe, c'est ce que l'ennemi a prévu, c'est cette femme assise sur cette bête. Donc c'est après le 7 hein, aussi. Oui. Voilà. Donc euh, et euh, c'est Europa, hein, c'est la fille d'une divinité selon la, euh, la mythologie grecque. Et euh, donc, selon les écritures, bien sûr, c'est la progresse de cette dame, cette femme. C'est l'église apostate, c'est l'église de l'église romaine et euh, qui était, euh, lors de l'édit de Thessalonique en 380, euh, euh, qui était, comment dire, la religion officielle de l'Empire romain. Donc, euh, lors de l'édit de Thessalonique en 380, un édit promulgué hein, par euh, l'empereur premier Théodose. Voilà, donc, c'est là, en 380, qu'officiellement, la, la femme en question, celle d'Apocalypse 17 et l'Europe, hein, qui est devenue euh, voilà, la, 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 la mère de ce continent et euh, celle qui va être soutenue par la bête, c'est-à-dire l'homme impie, la quatrième bête. Voilà, c'est l'église apostate. C'est cette église là qui euh, amène l'idolâtrie, qui amène, qui amène les, les images, tout ça là, et, euh, et qui va être euh, la, la reine de la terre, parce que la reine du ciel, comme euh, l'Église romaine aussi la présente, et, qui n'est autre, autre que la reine du ciel, dont il est question dans Jérémie 7, Jérémie 43, 44 par là. Voilà. Donc euh, oui, oui, effectivement, il y a deux destinées pour l'Europe, une pour le Seigneur par rapport est à l'évangélisation. Bien sûr. Une monnaie, Une pièce. Ici, au fait, en Belgique, elle est aussi représentée même euh, sur des statues. Euh, vraiment, j'ai eu la grâce, euh, Dieu m'a montré les yeux, m'a ouvert les yeux, il m'a montré vraiment certaines statues qui sont euh, à des places publiques, que c'est vraiment l'autre destinée de l'Europe. Voilà, c'est ça. Donc. Cette là voilà. Donc, euh, Merci. Cette femme-là, pardon. <laughs> Bonne soirée. Voilà donc le 23 février 1455 Gutenberg publie le premier livre imprimé et c'est lequel à votre avis la Bible le premier livre à avoir été imprimé c'est la Bible voilà Dieu a toujours la primauté gloire à Dieu la première place et euh, et là ben, ça va être le, le réveil le réveil et on va voir un peu les images hein, donc les différentes euh, les différents mouvements de réveil que le Seigneur a suscité en Europe pour vous montrer vraiment que l'Europe a a été beaucoup visitée par le Seigneur et euh, voilà, donc on va rapidement dans le passé. Là, nous sommes dans la destinée de l'Europe hein, selon Dieu, hein, la destinée de, du Seigneur, la vision du Seigneur, la pensée du Seigneur pour l'Europe. Le premier grand réveil à partir de 1727. Donc déjà en, au 16e siècle, il y a eu euh, le, le réveil avec la, le mouvement protestant, avec euh, Charles, euh, avec euh, Martin Luther, hein, l'Allemand, et euh, avec euh, le français euh, Jean Calvin. Voilà. Il y a eu d'autres réformateurs, hein, par la suite, euh, plein d'autres Européens, que Dieu a puissamment utilisés. Puissamment utilisés. Donc je dis bien quand je parle de l'Europe, je, 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 je fais allusion aussi aux États-Unis en même temps, parce que euh, Dieu ne voit pas les frontières. Dieu voit euh, une seule entité quand il parle de son corps, de l'Église. Et quand il parle de l'Europe, il voit aussi une seule entité. Voilà. Donc euh, les, les, les États-Unis, les Américains, à, à, à la base, c'était... Les, euh, les peaux rouges, donc les Indiens, et ils ont été colonisés par les Européens, qui ont colonisé aussi l'Amérique latine et aussi le Canada. Donc là, c'est le premier grand réveil, donc euh, euh, couramment appelé le grand réveil. Ce réveil n'a certainement pas été le plus grand en termes de croissance numérique. Et euh, voilà. Et euh, alors là, il y a beaucoup d'hommes de Dieu que le Seigneur a utilisé ici. Hein, donc euh, et euh, et euh, beaucoup de grands hommes qui ont été puissamment utilisés par le Seigneur pour amener et, euh, beaucoup d'âmes hein, dans son royaume et euh, voilà et euh, donc on va descendre encore Allô, bonsoir Bonsoir. en fait c'était juste pour euh, compléter quelque chose par rapport à ce que vous avez dit euh, c'est vrai qu'il y a eu le, le siècle des Lumières, je crois que c'était au 18 siècle, donc cette sagesse que l'ennemi a voulu ramener pour qu'on euh, se dise que Dieu n'existe pas. Mais ce qu'on constate, c'est que la plupart de ces grands philosophes, à la fin de leur vie, même Nietzsche, par exemple, qui disait que Dieu n'existe pas, à la fin, il a reconnu que Dieu existait. Et euh, parlant de l'humour de Dieu, il y a René Descartes, je crois, qui pensait qui aussi que Dieu n'existait pas. Et l'humour de Dieu, je pense bien que je ne me trompe pas que c'était Descartes, à la fin. Euh, il y a une imprimerie où il habitait, par exemple, sa maison s'est transformée à la fin de sa vie en, en, en imprimerie, si je ne me trompe pas. pas Descartes. Euh, Ce n'était pas des cartes. Pardon Ce n'était pas des cartes, c'était un autre. Oui, c'est un autre. je me trompe, mais c'est qu'il y a l'un des philosophes à la fin mm -hmm. je, je vais essayer de chercher, qui qu à la fin, sa maison est devenue une imprimerie jusqu'à aujourd'hui. Donc pour dire que malgré le siècle le des Lumières, la plupart des philosophes, à la fin de leur vie, reconnaissaient que, que Dieu est Dieu, que Dieu existe, quoi. donc il y avait autre chose. C'est juste pour, pour compléter. D'accord. Sa maison n'était pas devenue une imprimerie, mais une bibliothèque. Voilà une bibliothèque, pardon. Merci. Voilà. Bien. Merci. Donc, protein. le grand réveil, il y a beaucoup d'hommes beaucoup que le Seigneur a utilisés, hein, comme Nicolas, le comte Ludwig, von Zinzendorf, un allemand. Et, euh, on va descendre encore. Voilà. Et, euh, et euh, Alors là, le réveil, euh, ce réveil se répandit parmi les presbytériens euh, en Écosse. Euh, et enfin, euh, il y a plein, plein, plein de. Vous pouvez trouver ces informations là un peu partout. Et euh, on va descendre encore. Voilà. Et euh, euh, en Angleterre, des hommes comme John Wesley, John Wesley et euh, que Dieu va utiliser puissamment euh, comme euh, wheatfield Witte, Witte, de tout ça, là, que le Seigneur va utiliser également qui ont qui étaient des grands, grands prédicateurs et qui ont été puissamment utilisés par le Seigneur pour amener des vagues de réveil terribles. Et euh, tout ça, on descend. Voilà. Et euh, voilà. Donc il y a une autre vague de réveil hein, euh, qui doit épuiser, en l'Europe et euh, qui va durer hein, 30 ans pratiquement et, euh, et qui a commencé avec un mouvement de prière. Hein, donc voilà. Et, euh, et beaucoup beaucoup d'âmes aussi étaient touchées. Donc voilà. Par le Seigneur, on descend. Et euh, voilà, on continue à descendre, s'il vous plaît. Troisième mouvement de réveil. Voilà, en 1830, hein, et, euh, et là, ben pareil. Hein, donc, beaucoup de gens étaient touchés. Et euh, voilà. Donc, euh, et euh, là, c'est Charles Finet, hein, très connu aussi, et euh, que Dieu a utiliser lors de ce troisième mouvement de réveil en 1830. Et beaucoup, beaucoup d'âmes étaient aussi touchées. Donc, tout ça, ça se passait en Europe. Et quand je parle de l'Europe, bien sûr, je parle aussi des, des Occidentaux. Hein, donc, au, au niveau de, de, des États-Unis aussi, tout ça il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'églises qui étaient implantées. Et euh, on continue à descendre. Et euh, quatre et mouvements de réveil en 1857. Et euh, il y a eu aussi beaucoup d'âmes qui étaient touchées, gagnées par le Seigneur. Et euh, donc, c'est un homme d'affaires hein, qui va être, euh, qui va se convertir ensuite au service de Charles Finet. Et euh, et il va répandre ce feu un peu partout. Donc on continue à descendre. Cinquième grand réveil, à partir de 1880. Et, euh, et euh, voilà. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup d'âmes qui étaient aussi touchées par le Seigneur, avec le service de Moudi, un homme que Dieu a puissamment utilisé. Et euh, voilà, un Européen. Et euh... Voilà, donc on va pas tout lire, hein, il y en a beaucoup. Donc là, le sixième grand réveil. Et euh, voilà, donc ça c'est le réveil du début du XXe siècle, avec il y a beaucoup, beaucoup d'hommes de Dieu que le Seigneur avait suscité et qui prêchaient la sanctification. Et euh, voilà, donc on continue, on descend. Je crois qu'il y en a plus. Et là, ben jusqu'à jusqu'au réveil du pentecôtisme. Hein, avec William Seymour, un noir américain qui était born tout ça born tout ça que le seigneur a suscité et voilà mes amis donc on voit bien qu'il y a eu beaucoup de mouvements de réveil en Europe donc d'abord la bible imprimée en Europe pour la première fois euh, au 15e siècle et, euh, et plein d'autres par la suite le mouvement protestant avec Charles, John avec Luther avec euh, calvin et euh, qui ont défendu hein, bec ongle l'évangile. Et euh, excommuniés euh, par euh, l'Église romaine et euh, chassés de l'Église romaine, mais ils ont gardé leur foi euh, jusqu'au bout en prêchant, euh, mes amis, euh, la foi en Dieu, le salut par la foi et non par les œuvres. Et euh, donc beaucoup des missions hein, sont sorties de l'Europe pour aller jusqu'en Chine et à porter l'évangile en Asie, à porter l'évangile partout 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 et de nouveau en Afrique bien sûr parce qu'il y a d'autres missionnaires qui sont partis d'ici pour aller en Afrique même si l'Afrique a reçu l'évangile comme on l'a vu avec la femme Samarie, avec la, la, la reine de Saba au niveau à l'époque de Salomon et lors de la naissance de l'église dans acte 2 mais néanmoins il y a d'autres missionnaires qui sont partis de l'Europe vers toute la terre hein, dans toute la, dans toutes les directions de la terre pour évangéliser évangéliser donc nous aussi peuple africain, nous avons aussi un devoir vis-à-vis -vis des européens. Oui, mes amis. Un devoir, celui aussi de d'apporter l'amour du Seigneur, hein, voilà, aux, aux, aux nations qui nous accueillent au nom de Yeshua. Voilà. Donc et euh, allô, nous avons quelqu'un en ligne Oui, allô, oui, bonsoir. Oui. Allô Oui, je, oui, alors je suis bien euh, en direct. Hein. Oui. Allô Vous êtes en direct, oui. Mais... Oui, alors je voulais intervenir moi en ce qui concerne donc, euh, les missionnaires qui sont venus euh, donc, euh, en, dans les trois gaules hein, Je voulais parler, je voulais intervenir euh, en ce qui concerne l'évêque Saint-Potin, qui, qui est arrivé en Gaule, qui avait été envoyé, donc qui venait de, de Smyrne, de l'église de Smyrne, qui avait été envoyé en Gaule par l'évêque Polycarpe à l'époque, qui avait été disciple de Jean, de, de, donc, de Jean l'apôtre. Et donc il est venu euh, donc, euh, à l'époque, euh, il y a 1800 ans qui est apporté l'évangile en Gaulle. Donc euh, il, il est arrivé à Lyon, dans une petite communauté, et puis il a été l'évêque de, 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 de Vienne, je crois de Vienne et de Lyon. Et puis il a été euh, assassiné avec euh, Blandine, avec euh, d'autres frères et sœurs de l'époque. Et donc ils ont été assassinés, donc euh, torturés à cause de leur foi. Euh, voilà comment dire ça, euh, sous Marc Aurel il me semble, sous l'empereur Marc Aurel. Et donc euh, déjà Dieu aussi dans son plan avait déjà euh, pensé déjà nous en, en, en tant que Français, donc euh, à la France. Et je voulais intervenir par rapport à ça. Et justement, il va y avoir son, un livre. Donc, a, si vous allez à Lyon, vous allez retrouver l'église Saint-Potin. Donc, ils ont, ils ont fait une église à, à l'emplacement où ils ont été assassinés, enfin, euh, à cet endroit-là. Donc, il y a l'église Saint-Potin. Et j'ai vu dans, dans, dans un truc catholique qu'ils allaient sortir un livre en, en, vers, en 2017 où ils parlent de l'évêque de Saint-Potin et son église. Voilà. Si D'accord, ben gloire à Dieu, gloire à Dieu. L'Europe, comme je vous l'ai dit, hein, l'Europe aujourd'hui, si beaucoup de gens pensent que euh, c'est pas possible que le Seigneur touche l'Europe, visite l'Europe, je vous dis qu'il y a des prophéties dans la Bible où il est question justement de la destinée prophétique de l'Europe. Donc effectivement, il y a eu des ouais. grands missionnaires, il y a eu des personnes qui ont perdu leur vie hein, pour que l'Évangile soit proclamé dans toutes les nations et, et parmi ces gens, il y a eu beaucoup, beaucoup d'Européens. Oui, tout à fait. Merci. Parce qu'on avait retrouvé justement le sang de ma des martyrs et ce de chrétiens. Donc euh, justement le sang de, de, de ces martyrs donc de Gaulle, donc de, ces, de nos frères et sœurs chrétiens de l'époque qui ont été torturés à cause de leur foi. Donc ils avaient écrit euh, donc les, les rescapés en quelque sorte de, 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 de ces églises-là, de Gaulle, hein, de Lyon et de Vienne. Ils ont envoyé une lettre à, à, aux autres de, à, aux frères et sœurs de l'église de Smyrne en leur racontant l'histoire des martyrs de Lyon. C'est quelque chose d'extraordinaire que j'ai retrouvé ça, donc il a été assassiné. ils ont été assassinés en l'an 177, et il y a eu une lettre adressée par un témoin anonyme à ses frères d'Asie où ils disent les serviteurs du Christ qui séjournent à Vienne et à Lyon, en Gaule, aux frères de l'Asie et de la Phrygie, qui ont la même foi et la même espérance que nous en la rédemption. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Merci. C'est merveilleux où on voit justement où ces gens qui n'ont pas renié leur foi et justement ont demandé à l'évêque Saint Potin bah, comment s'appelle le Dieu des chrétiens et l'évêque Saint a répondu, il a dit bah, euh, je vous le dirai si vous en êtes digne. D'accord. Donc on a pu j'ai pu retrouver cette lettre là, et puis euh, si vous voulez bien, euh, je peux quand même vous envoyer ça la a pas de problème. Si vous si vous voulez, pour savoir un petit peu comment ça s'est passé déjà en métropole. D'accord, merci. 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 Donc vous voyez euh, dans la destinée prophétique de l'Europe euh, prévue par le Seigneur et euh, il y a eu dans le passé des grands hommes. Beaucoup d'hommes de Dieu. Charles Finney, Jonathan Edwards et euh, John Wesley et, euh, et Luther, euh, Guillaume Farel et euh, Erasme de, de Rotterdam, Jean Hus et euh, il y en a eu plein plein un paquet de messagers que le Seigneur avait suscité pour apporter l'évangile partout, partout, partout. Ils ont été puissamment utilisés par le Seigneur. Des femmes comme Maria Ether, utilisées par le Seigneur pour apporter l'évangile, pour guérir, soigner les malades, tout ça là. Donc, au sein de cet empire, au sein de cette bête, utilisée par l'homme impie pour asseoir sa domination mondiale, Dieu a un peuple, Dieu a une armée, Dieu a ces hommes et ces femmes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et sans parler, sans, sans oublier bien sûr, les pauvres de Lyon, euh, ce mouvement suscité par euh, le Seigneur euh, au travers de, 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 de Pierre Valdo, et euh, tout ça, qui ont défendu l'évangile, qui ont proclamé la vérité de Dieu, qui étaient, mes amis, combattus par l'église romaine, l'église romaine qui fait partie de la destinée, prophétique de Lucifer par rapport à l'Europe. Et tout ça. Mais il y avait un peuple qui était, il y avait deux églises, l'église du Seigneur, cachée, souterraine, combattue, défendant la vérité. En Europe, bien sûr. Et l'église, bien sûr, apostate, romaine, qui persécutait les saints. vous voyez, ça a toujours été comme ça. Et c'est toujours le cas aussi aujourd'hui. Nous sommes dans une génération où, dans un temps où, ici en Europe, justement, il y a de plus en plus de lois, comme vous le savez, impies qui sont mises en place. Et, euh, et beaucoup d'églises babylonisées, paganisées, adhèrent à ces choses, euh, mariant homme avec homme, femme avec femme, comme vous le savez, tout ça, et euh, dans toute l'Europe. Mais dans le secret, il y a un peuple. Dans les coulisses, il y a un peuple. Dans les maisons, il y a un peuple. Ici et là, il y a un peuple. Des hommes et des femmes, européens aussi, qui euh, ont compris qu'il faut qu'ils restent fidèle, fidèlement attachés aux Saintes Écritures et ils sont là. Ils gémissent, ils prient, ils évangélisent tant bien que mal et je tenais à dire à ces hommes et ces femmes que le Seigneur a un message pour vous, que Dieu a un plan pour vous, pour vos familles, pour vos enfants, pour ce continent, parce que Là où le péché abonde, la grâce surabonde, et le Seigneur prépare son son peuple, son armée. Et mes amis, pour euh, ce réveil qui va préparer, qui prépare l'épouse à, à l'enlèvement, selon Matthieu 25. Et euh, parmi euh, ces hommes et ces femmes, il euh, y a beaucoup 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 d'Européens. Et euh, voilà. Donc, euh, et le Seigneur travaille, le Seigneur prépare. Parmi vous euh, qui suivez ce soir. Euh, aujourd'hui, c'est ce message. Il y en a qui, euh, qui, euh, qui, ont un cœur pour le Seigneur et qui prient pour ce continent, mes amis. Comme vous le savez, selon les Écritures, la quatrième la bête sera extraordinairement forte, terrible. et va fouler toute la terre et c'est le cas aujourd'hui. C'est le cas. L'Europe va prendre de plus en plus d'ampleur, de plus en plus d'ampleur. L'Iran euh, va de plus en plus être, euh, mes amis, euh, accepté, euh, adulé. Et tout ça, et euh, on va de plus en plus, les nations européennes vont de plus en plus le faire, allé, allé, allégeance et euh, allégeance tout ça. Et de plus en plus l'Iran, l'ours va monter. Et Babylone, on va retrouver l'Irak aussi, parce que Babylone c'est l'Irak. N'oubliez hein, pas. Donc l'Irak va aussi faire partie de cette, euh, de, de cette, de cette bête. Hein, c'est déjà le cas. Et euh, voilà pourquoi les, les Européens sont beaucoup en Irak aussi là-bas, notamment les Américains étaient là-bas, tout ça. Donc il y a tout ça. Donc en fait. On va avoir aussi un temps, si Dieu le permet, de développer la, sur la, la destinée de l'ennemi, hein, la destinée prophétique de l'Europe que Satan, hein, la destinée que Satan a mis en place, a hein, prévu pour l'Europe. Et, euh, et là, on va rentrer dans les détails pour parler de l'Iran, parler de l'islam, comment l'islam va prendre de l'ampleur en Europe. Pour votre information, il faut se préparer, c'est ce que les Écritures nous disent, parce que c'est les pieds hein, de l'Europe. Donc, ça va être la première religion européenne, l'islam. ça, c'est déjà le cas, pratiquement, là, mes amis, ça va de plus en plus prendre de l'ampleur, parce que c'est les pieds de l'ours. Voilà. C'est les Mèdes et les Perses. C'est l'ours, donc euh, euh, les Iraniens. Voilà, c'est les, les Perses. Donc, voyez, c'est la parole prophétique qui s'accomplit. Se, qui se, qui Et là, le gouvernement de l'homme impie doit être mis en place. C'est pour cela les vrais chrétiens doivent se préparer à la persécution, doivent, doivent se préparer à être traités de tout le nom. Ne soyez pas choqués si on vous traite de faux prophètes, on vous traite de magiciens. Ne soyez pas inquiets parce que c'est comme ça. C'est comme ça, ça va de plus en plus être comme ça parce à n'est plus loin. Préparons-nous pour le retour du Machia. Je ne sais pas si nous avons quelqu'un d'autre en ligne. Non le, le Machia revient, mes amis et, euh, et les Africains qui sont en Europe, les étrangers qui sont en Europe, et euh, les Asiatiques qui sont en Europe doivent comprendre qu'ils sont missionnaires. Je parle de ceux qui sont chrétiens. Ils sont missionnaires, mes amis, missionnaires, et euh, ici, et ils doivent prier pour l'Europe, prier pour les Européens, et euh, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. et Je voudrais aussi encourager nos frères et sœurs Européens à accepter ces missionnaires que le Seigneur envoie et prier pour ces missionnaires pour que leur travail se fasse. Parce que si nous sommes en Europe, nous combattons tous pour une même cause, c'est-à-dire que la vérité soit défendue, que l'évangile soit proclamé. Ne faites pas la guerre à ces missionnaires parce que euh, ce serait dommage. Et priez pour ces missionnaires, priez pour ces hommes et ces femmes qui, qui viennent de la part du Seigneur pour apporter l'évangile et que ces missionnaires aussi ne se servent pas de l'Europe pour, pour, pour leur enrichissement personnel, mais plutôt d'annoncer l'évangile du Seigneur Yeshua à toutes les nations au nom de Yeshua. Dieu fait ce qu'il veut. Il fut un temps effectivement où les Européens ont amené l'évangile dans, dans les nations comme vous avez vu. Hein. Et aujourd'hui, ce sont les nations qui arrivent en Europe avec l'Évangile. Il y en a qui arrivent avec l'islam, d'autres arrivent avec l'Évangile. Parmi les Syriens, vous avez des gens qui sont musulmans, vous avez des chrétiens. Donc vous voyez, c'est des chrétiens, malheureusement, il y en a qui sont cathos, mais d'autres, je pense que c'est des vrais chrétiens aussi qui aiment le Seigneur, qui aiment la parole, la vérité. Voilà, donc il y a comme un, comme un mouvement hein, qui converge vers l'Europe. Donc, vous voyez bien tout ce qui se passe hein, au niveau des informations, tout ça. Donc, on sent qu'il y a un grand bouleversement au niveau de l'Europe. Et euh, sur le plan migratoire, sur le plan, euh, sur le plan spirituel, sur le plan climatique, tout ça, on sent que, voilà, on est vraiment à la fin. Là, Le Seigneur est en train de revenir et préparons-nous pour son retour. Que Dieu se souvienne de vous. Prions les uns pour les autres. Prions pour nos familles. Que Dieu vous garde, mes amis. Au nom de Yeshua. Au revoir. Amen.